Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Avant de présenter cette soirée et les invités que j'ai le plaisir de recevoir, Radio Anthropocène s'est installée à la Cité des Halles. Elle émet depuis le 30 novembre, donc elle vient d'ouvrir sa saison. Et comme vous le savez, le mercredi Anthropocène est la dernière des émissions de la programmation de la journée et elle se déroule généralement en public. Donc bienvenue à la Cité des Halles et 124 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e. C'est là que nous avons atterri. Le 7 décembre 1972, à environ 30 000 km d'ici, on a beaucoup débattu de ce sujet avec mes invités, l'équipage d'Apollo 17 photographie la première fois la première image de la Terre. On la voit ici, elle s'appelle Blue Marble. Pour parler des bouleversements nés de la prise de conscience de l'isolement de notre planète, de sa beauté, et de notre fragilité, puisque maintenant nous savons qu'elle est unique, elle est notre unique écosystème habitable et que nous l'affectons. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Escarguel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Directeur adjoint du laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Par ailleurs, rédacteur en chef de la revue de paléontologie, revue internationale qui s'appelle Géobios. C'est ça. Et puis Jean-Philippe Ferrière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enseignant à l'INSA Lyon dans la section théâtre-études, ainsi que vous enseignez également dans des cours d'art, lettres et sciences humaines. Et vous êtes par ailleurs membre du laboratoire Passage, art et littérature, 20e, 21e, à l'université Lyon 2. Tout d'abord, puisque vous êtes au pied, j'allais dire, de cette image, de l'image originale, c'est-à-dire qu'elle est décentrée. Qu'est-ce qu'elle vous inspire un peu à brûle pour point, c'est-à-dire de là où vous êtes, à la fois en tant que évidemment personne singulière, et puis de vos sujets de recherche qui sont différents. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à vous recevoir à cette table. Lequel d'entre vous deux veut commencer? Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Donc Gilles Escarguel. Voilà, celui qui regarde les choses à grande échelle de temps, on en reparlera probablement plus tard. Elle m'inspire, cette image, de nombreux sentiments et de nombreux sentiments très, très contrastés et paradoxaux. D'abord, elle me fait penser que face à l'infinité apparente du monde, en réalité, notre monde est fini, notre monde est limité. Et elle m'y fait penser de plusieurs façons différentes, en cela que ce cliché original décentre complètement la perspective qu'on a de la planète sur laquelle on vit. On y voit, en tout cas sur le cliché initial, on y voit le pôle sud en haut, on y voit donc la Terre à l'envers, on regarde ce qu'on a l'habitude de voir, on voit une Terre qui n'est pas centrée sur l'ancien monde, sur l'Europe et l'Amérique du Nord, mais centrée, en tout cas pas sur l'Occident, mais centrée sur l'Afrique. Et on y voit une Terre qui n'est pas au centre de l'image. Et n'étant pas au centre de l'image, c'est d'une certaine façon la fin d'un très long cycle de réflexion depuis Tycho Brahe, depuis Galileo Galilei, depuis Kepler et d'autres, un cycle de réflexion où on se met à penser le monde, l'univers, ailleurs que au centre que l'on imaginait, c'est-à-dire le monde qui nous a vu naître, le monde qui nous a vu pousser. Donc voilà, en quelques mots pour commencer, ce à quoi je pense quand je vois cette image, je vois un monde qui est fini et infini en même temps, qui est perdu au milieu de nulle part. J'y vois notre seul et unique vaisseau spatial, un vaisseau spatial dont, particulièrement à partir de l'année 1972, avec la publication du premier rapport au Club de Rome, on réalise que on ne va pas pouvoir s'y développer indéfiniment et impunément sans que ça n'ait des conséquences majeures sur les conditions d'habitabilité de ce vaisseau. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, 7 décembre 1972, aujourd'hui on est le 7 décembre 2022, donc cette image a 50 ans. Jean-Philippe Ferrière. Oui, alors moi, je n'étais pas très vieux quand elle a été produite, cette image, puisque j'étais né 3 ans auparavant, et spontanément, elle me renvoie au monde de mon enfance et au pouvoir de fascination qu'elle a exercé, parce que ça raconte vraiment une époque et tout un imaginaire culturel qui a pu, on va dire, fasciner les gens à l'époque et structurer les imaginaires des enfants de cette époque-là. Parce que moi, par exemple, alors je n'en ai pas gardé les souvenirs, mais je n'étais pas très haut quand je sais que toute ma famille s'était rassemblée autour d'un téléviseur pour voir Neil Armstrong poser le pied sur la Lune. Donc, il y avait effectivement, ça avait été un événement planétaire. On m'a raconté ça souvent. Et effectivement, ces entreprises américaines et puis cette guerre froide entre les Russes et les Américains par l'intermédiaire de la conquête spatiale était très suivie dans le monde entier. Et puis, enfin, c'était toute cette culture là, dont on s'abreuvait quand on était enfant, cet imaginaire de la conquête spatiale que l'on trouvait exploité dans les œuvres de fiction. Alors, bien évidemment, je repense à 2001, Odyssée de l'espace, en 68, de Stanley Kubrick. Mais je me suis rappelé, quand vous m'avez sollicité, cette série que j'avais beaucoup regardée quand j'étais enfant, c'était Cosmos 1999. C'est absolument incroyable avec cette idée, effectivement. Alors, vous parliez, effectivement, de cette relation à l'univers. Puis, il y avait eu, naturellement, Star Trek. Cette idée que il y aurait bientôt Star Wars, que voilà, il y avait des humains comme ça qui partaient dans le lointain, dans l'infini, ils rencontraient d'autres peuples avec lesquels parfois ils arrivaient à pacifier, parfois ils reproduisaient aux confins de l'univers ce qu'ils vivaient sur Terre, la violence et la guerre. Bon, voilà, ça, ce sont des choses qui ont vraiment marqué une génération. Donc voilà, ma réaction, ça sera de l'ordre de la fascination esthétique, parce que c'est une image magnifique. Et puis, de cette aussi fascination, émotion culturelle. Alors, évidemment, quand on la voit, elle renvoie cette image de finitude et de petitesse, prise de conscience, effectivement, que nous sommes un point dans l'univers. Alors, on se rappelait tout à l'heure, là, avant le début de l'émission, qu'en 1990, il y a eu un autre cliché, on va dire, très important qui a été produit, le Pale Blue Dot, le petit point bleu, là, la vision de cette Terre qui est vue à je ne sais combien de milliards de kilomètres, et que Carl Sagan avait commenté en disant « Regardez, ça, c'est notre foyer, c'est notre maison, c'est tout ce que nous avons, prenons-en soin. » Et c'est déjà ce sentiment que cette image avait suscité à l'époque, parce qu'elle avait été... des mouvements écologistes, déjà, se l'étaient appropriés. Un peu plus tard, Al Gore aussi l'avait récupéré pour... son film une vérité qui dérange. Donc voilà, elle renvoie un peu à cette image de la fragilité, de la petitesse du monde dans lequel nous vivons. Alors après, elle a suscité aussi hier et aujourd'hui, on va dire des regards, des jugements plus contrastés, plus controversés, mais peut-être qu'on l'évoquera dans un second temps, notamment quand on parlera du travail de Bruno Latour et de Frédéric Aïtouati. Oui, tout à fait. Mais avant qu'on aille un petit peu plus loin, restons sur cette question de l'image, cette image, pour tenter de mesurer l'écart qui existe sur ces 50 dernières années. Là, on pourra aussi parler d'anthropisation et des effets sur la Terre. Mais cette image, je crois savoir, c'est une image de... d'un cosmonaute qui par hasard prend cette image. C'est-à-dire dans un monde qui n'est pas encore inondé d'images. C'est un monde très très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque nous avons tous, ou presque, un smartphone dans la poche, et prendre une photo est quelque chose d'aussi naturel que de manger un yaourt. C'est important, parce qu'on la trouve très belle. Ce n'est pas un photographe qui l'a commise. Ce n'était pas un objet de commande non plus, de la mission Apollo 17. Et à un moment où cette chose est un peu rare. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et comment ces images de la Terre ont ensuite évolué dans celles qui ont été produites dans les décennies suivantes? Moi, je n'ai pas d'éléments sur cet aspect, on va dire technique, qui dépasse mon champ de travail et de compétences. Mais par contre, ce que je trouve assez fascinant, c'est que
on saurait aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans une culture de l'image, de la captation des moindres instants de nos existences, de ce que nous voyons. Il faut qu'on fasse un selfie à l'autre bout du monde quand on part en vacances. Et, enfin, si on devait engager, on va dire, le voyage vers la Lune aujourd'hui, il y aurait déjà eu, on va dire, une profusion d'images. Or, voilà, apparemment, cette image, elle vaut par son caractère unique. C'est ça qui est incroyable. C'est que on a pris un cliché. Et pendant les... Enfin, ça ne s'était pas fait avant, ça ne se refera pas après. Je crois, c'est à vérifier, que la seule image complète de la Terre qui n'est pas, on va dire, l'aboutissement d'un agrégat de différentes images ne sera pas produite avant 2015. Moi, je trouve ça incroyable. Oui, Gilles Escarguel. Oui, moi... Ce que ça me fait penser, cette affaire, c'est que ça nous renvoie une fois de plus à l'accoutumance et au fait que on est capable de s'habituer de tout, du meilleur comme du pire. Et lorsqu'on vit, comme c'est le cas aujourd'hui, dans un monde qui, pour le meilleur et pour le pire, est inondé en permanence d'images, on ne voit plus ce que l'on a sous les yeux. Et alors effectivement, moi aussi, j'étais beaucoup trop jeune pour avoir vécu et pour avoir un souvenir de ça en direct, mais en 1972, j'imagine bien, un peu comme ça avait été le cas quelques années plus tôt, l'effet de sidération que ça peut produire. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus familier pour un être humain que la planète sur laquelle il vit, et en même temps, il n'y a rien de plus distant, et il n'y a rien de moins observable que la planète sur laquelle il vit dans son intégrité. Et dans son intégralité. Et en fait, c'est ça qu'on voit avec cette image, c'est qu'on voit simultanément la chose qui nous est la plus commune et la moins commune d'une façon dont nous ne la verrons nous-mêmes jamais, parce que l'immense majorité d'entre nous, évidemment, sinon virtuellement la totalité d'entre nous n'iront jamais à ces altitudes-là pour observer la Terre. Donc on voit un objet indispensable à notre vie tel que nous ne le verrons en réalité jamais. Et pourtant il est là, il est sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Et c'est toute cette ambiguïté qu'il y a de ce que l'on sait être parce qu'on le voit, de ce que l'on sait être parce qu'on ne le voit pas, et pourtant on ne le voit pas, pardon. Et par des objets qui nous sont, en espace et en temps, tellement incommensurables qu'on a beau y réfléchir régulièrement, on a énormément de mal à les appréhender, dans leur immensité et donc dans leur force aussi d'une certaine façon, mais aussi à les appréhender dans leur fragilité. Parce que c'est ça aussi que nous donne à voir cette image. C'est de cette distance-là, la petitesse et la fragilité que revêt un monde que, pourtant, au quotidien, on a tendance à croire indestructible. Grand bouleversement, quand même. Grand bouleversement. C'est un décentrage. Oui, c'est un décentrage majeur. C'est le terme que j'ai utilisé. Ce décentrage, recentrage. Avec cette conscience-là qui peut naître de cette image-là ou d'autres deux choses d'ailleurs. Qu'est-ce que justement, depuis les sciences de la Terre ou depuis les arts, cette question de se décaler, parce que moi c'est ça que ça provoque, quitter le plancher des vaches pour se décaler et donc regarder les choses autrement, dans vos disciplines respectives, ces notions de décentrage, recentrage, est-ce qu'on peut en parler un moment ? Oui, je veux bien. Gilles Escarguel. Je veux bien commencer sur cette affaire-là qui est évidemment centrale et incontournable dans les sciences de la Terre et plus largement en réalité dans ce qu'on appelle depuis longtemps les sciences naturelles, parce que les sciences de la vie n'échappent pas à cette problématique non plus. En fait, pour un géologue, pour un biologiste, et particulièrement ceux qui s'intéressent à l'évolution du monde vivant,
Et de fait, ma recherche, moi, s'articule autour de ces deux axes-là. Penser l'immensité de la Terre, c'est penser l'immensité géographique et c'est penser l'immensité temporelle. L'immensité géographique de la Terre est à peu près aussi incompréhensible, au sens qu'on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la tenir entre nos mains, est à peu près aussi incompréhensible que l'immensité temporelle de la Terre. Lorsqu'on dit que la Terre existe depuis plus de 4 milliards et demi d'années, très bien, on entend ce chiffre-là. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? Qu'est-ce qu'il représente pour nous ? En réalité, il représente rien. Il représente tout et rien. De la même façon que lorsqu'un économiste parle de 4 milliards et demi d'euros, on entend ce chiffre. Mais qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce que c'est qu'une richesse de 4 milliards et demi d'euros ? Je pense que personne ici n'en a absolument aucune idée. Et donc, en géologie, comme en biologie de l'évolution, comme en astronomie, du reste, on se confronte également à ces mêmes difficultés. Comment appréhender et comment rendre concret, matériel, quelque chose qui est tellement immense qu'il en perd sa substance. En tout cas, cette substance-là nous est difficilement accessible. Voilà, c'est un défi. Je dirais que petit à petit, les chercheurs, les chercheuses qui s'intéressent à ces questions-là s'habituent plus à la douleur que ceux qui n'apprennent réellement à la domestiquer, à la contrôler. Je ne sais pas si je suis plus conscient aujourd'hui que ceux que je l'étais il y a 20 ou 30 ans de ce que représente un million ou un milliard d'années. Je me suis juste habitué à ces chiffres-là. Mais c'est évidemment difficile parce que penser des questions planétaires sans se projeter dans ces immensités-là, qui ne sont pas des infinités pour autant, des immensités limitées, échappe à notre appréhension quotidienne du réel, en fait. Il y a un travail de projection, il y a un travail de dilatation à faire, qui est jamais complètement satisfaisant, mais qui est nécessaire pour penser les choses en grand. Je pense qu'on soit, alors là, pour le coup, à ce niveau-là, qu'on soit philosophe, anthropologue, sociologue, enfin, ça échappe, pour le coup, aux sciences de la Terre et de la vie, cette affaire-là. Penser l'immensité des choses. Penser l'immensité des choses. Jean-Philippe Ferrière, depuis les arts, ou en tout cas, au moins de ceux qui ont fait l'expérience de performer ou de scénographier des choses autrement à partir de ces questionnements un peu larges. Qu'en diriez-vous ? Alors, il se trouve que dans, on va dire, mon travail de recherche, je m'intéresse notamment, avec grand intérêt, au travail qui a été mené par Bruno Latour, donc qui est décédé il y a un mois et demi de cela, et auquel vous aviez rendu hommage. Donc le travail artistique qu'il conduisait avec l'historienne des sciences et metteur en scène Frédéric Aït-Touati. Et puis, bon, il y a tout un écosystème autour d'eux, artistique et intellectuel. Et effectivement, ils ont essayé d'interroger cette image de la Terre, cette image du globe iconique, ils ont essayé de l'interroger pour, on va dire, mettre en crise en quelque sorte ce qu'elle raconte et proposer par le biais des arts, du théâtre, des esthétiques, d'autres modalités de représentation de la Terre. Alors, si je peux évoquer un peu, effectivement, le regard qu'ils portaient sur cette image du globe et en quoi elle leur paraissait problématique et pourquoi il convenait, selon eux, de savoir décentrer, renouveler notre regard. Eh bien, Frédérica Aït-Touati, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a précisément travaillé sur l'histoire des représentations de la Terre. Ça a été son travail de thèse. Et elle avait travaillé sur la manière dont certains écrivains ou intellectuels du XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac, Kepler, avaient utilisé les arts et les fictions pour produire des expériences de pensée qui leur permettraient
de se représenter le globe terrestre en train de tourner et vu de l'espace ou vu de la Lune. Il n'avait pas d'autre choix que de passer par les arts, par l'écriture, par le récit, puisque bien évidemment, il n'aurait pas pu s'envoler bien loin. Et donc, elle aussi travaillé sur cet imaginaire de la fascination, sur cet imaginaire de la conquête spatiale, pour finalement, cheminant dans ses dialogues avec Bruno Latour, à interroger cette image qui, pour esthétique et fascinante qu'elle soit, leur semble poser problème de différentes manières. Tout d'abord, il y a cette vue extérieure, le fait que l'on va contempler le monde, qu'on va regarder la Terre, on va regarder la nature d'un point de vue extérieur. Alors certains ont pu dire, c'est aussi une manière un peu de faire écho à ce point de vue de la modernité, cette ontologie naturaliste qui a été théorisée par Philippe Descola, cette idée que voilà, il y aurait une extériorité entre le point de vue humain et la nature, et puis aussi leur semblait-il à Bruno Latour et à Frédéric Aitouati, finalement cette vue d'un point de vue de nulle part, vous disiez tout à l'heure, d'un point de vue de Sirius, comme on dit dans Micromégas de Voltaire, finalement elle ne nous dit rien du monde vivant. C'est-à-dire que l'endroit d'où on regarde la Terre ne nous dit rien du monde vivant. Alors, l'autre problème qu'il pointait, c'est que cette image qui a été utilisée, on l'a dit, dès les années 70, pour incarner effectivement cette nécessité de prendre en compte la fragilité de la Terre, elle a été un peu présentée comme, étant un symbole unificateur. Elle était censée nous unifier du reste dans les COP, on nous met une planète bleue, et Bruno Latour représentait que loin de nous unifier, elle ne faisait que rappeler nos divisions, parce que la nature, disait-il, fondamentalement nous divise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet, soit l'agriculture, les ressources halieutiques, le réchauffement climatique, qui ne soit pas facteur de division. Donc en fait, voilà, c'était, essentiellement les deux problèmes qu'il pointait, c'est que finalement, elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes, où nous habitons, et donc il conviendrait d'atterrir. Et par ailleurs, elle qui était convoquée pour nous unifier, finalement, elle ne fait que souligner nos divisions. Oui, mais alors, le problème, c'est pas la Terre. C'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Oui, oui. Nous, c'est-à-dire une toute petite partie du monde des vivants. Non seulement à l'échelle temporelle, vous avez parlé de la question temporelle chez l'escargot et la question de l'espace aussi. Une toute petite partie du monde vivant est là aussi plein de paradoxes. Parce que effectivement, Homo sapiens, une espèce parmi 2 millions d'espèces connues aujourd'hui sur Terre, probablement 4 à 5 fois plus en réalité, 8-10 millions d'espèces. Donc voilà, même pas la partie émergée de l'iceberg. Le petit sommet, le petit grain de glace au sommet de la partie émergée de l'iceberg, de ce point de vue-là, et en même temps une espèce qui a pris une importance biologique à la surface de cette planète qui est absolument sidérante. Quand on sait aujourd'hui que, par exemple, sur les 5500 espèces de mammifères qui vivent sur Terre à côté de nous, nous sommes une de ces 5500 espèces de mammifères vivant sur Terre aujourd'hui, la biomasse, la masse biologique représentée par les êtres humains, c'est plus d'un tiers de la totalité de la masse des mammifères qui vivent sur Terre, une espèce sur 5500. C'est un chiffre parmi d'autres qui montre à quel point cette croissance humaine est devenue absolument sidérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, aucune autre espèce vivante ne pèse aussi lourd dans la biosphère que l'espèce humaine. On est un peu une espèce invasive, comme la renouée du Japon. Nous sommes une espèce invasive d'un type très particulier, parce que nous sommes à la fois invasifs et super prédateurs. Et super prédateurs. Et ça, c'est extrêmement rare. Il y a très très peu d'espèces qui partagent ces deux caractéristiques-là en commun. Et ça ne fait que doubler le problème. Et nous n'avons plus de prédateurs. Oui, Jean-Philippe Ferrière. Et nous n'avons plus de prédateurs. Nous avons nous-mêmes. On est capable de s'auto... Nous sommes notre propre loup. Exactement. Alors oui, je voulais rebondir sur... Rebondissez. Je vais essayer de,
de rebondir sans trop, on va dire, sans trop monopoliser la parole. Là, j'ai essayé de m'arrêter tout à l'heure. Je vous arrêterai, si vous... Voilà. Bon. Voilà. On parlait effectivement de cette relation à l'espace, au temps, la relation entre les humains et les espèces. On est au cœur effectivement du travail qu'on menait, enfin, et que mène toujours, puisque depuis quelques années, un comédien, Duncan Evenou, avait remplacé Bruno Latour quand il avait commencé à être très malade. Mais effectivement, un mot revenait souvent dans le spectacle, c'était celui de désorientation. Désorientation, disait-il, spatiale et temporelle. Parce qu'en fait, voilà, dans ces spectacles, dont il faut quand même les nommer, dont Bruno Latour a pu présenter des conférences performées, boostées, comme il disait, qui s'appelait Inside, et puis après Moving Horse, et puis il y a eu Viral, mais donc là, c'est voilà, Duncan Evenou qui a présenté Viral. Et dans les deux premiers spectacles, Bruno Latour parlait de désorientation spatiale et temporelle. Alors, la désorientation spatiale, eh bien, j'y faisais référence à l'instant, c'est-à-dire que voilà, cette image fascinante ne nous dit rien du monde dans lequel nous vivons. Elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes. Et par conséquent, eh bien, il faudrait atterrir. Alors, d'où la référence à son essai qui a été écrit au moment où ils étaient également en train de créer Inside, où atterrir, comment s'orienter en politique. Et voilà, cette désorientation spatiale, disait-il, se double d'une désorientation temporelle, puisque nous avons eu à prendre conscience que l'histoire humaine télescopait l'histoire géologique, et que voilà, avec des échelles de temps qui paraissaient complètement incompatibles, eh bien, il fallait se faire à l'idée que la petitesse de l'histoire humaine, là, depuis, on va dire, alors, selon les datations controversées qu'on peut donner, 1950, 1850, début du XVIIIe siècle, voire avant, enfin bref, on va dire depuis le début de l'Anthropocène, eh bien, l'histoire humaine et l'histoire géologique viennent de se télescoper, ce que Bruno Latour a appelé, reprenant le concept d'un autre philosophe, une géo-histoire. Bien. Alors ça, c'était mon premier rebond, en quelque sorte. Et puis, voilà, quand il disait, en quelque sorte, il convient de mettre en crise cette image. Il faut donc essayer de proposer d'autres images qui soient alternatives de cette représentation, car qu'il ne s'agit pas de rejeter, bien évidemment. Elles participent de notre histoire, de nos cultures, mais il faut essayer. Les arts ont cette responsabilité, cette possibilité de produire des images heuristiques, c'est-à-dire des images qui ne soient pas simplement des illustrations, mais des images qui nous permettent de faire cette expérience de pensée du monde dans lequel nous sommes, qui nous aident à faire avancer la compréhension du monde dans lequel nous sommes, la réflexion sur celui-ci, et des images qui nous aident à comprendre que, effectivement, nous sommes, alors je reprends le titre du spectacle, Inside, alors je parle sous l'autorité de Gilles à présent, Inside, c'est-à-dire que nous sommes... dans la zone critique, disait Bruno Latour. Alors, il travaillait en lien avec l'Institut géophysique du globe de Paris, et notamment avec un géochimiste, je crois, qui s'appelle Jérôme Gaillardet. Et il s'était beaucoup intéressé, là, dans ces dernières années, sur la notion de zone critique, qu'on redéfinira peut-être, vous ferez peut-être mieux que moi. Voilà, qui l'intéressait énormément et qui lui semblait-il raconter mieux. L'endroit où nous nous trouvons est notamment ce monde qui se caractérise par le fait que les vivants sont dans des relations d'interdépendance, d'interconnexion, d'enchevêtrement, de tissage, disent-ils également beaucoup par métaphore. Ça, c'est la première caractéristique. L'autre caractéristique, c'est que le monde dans lequel nous vivons, alors je pourrais évoquer dans un instant les nombreuses métaphores ou les supports visuels qu'ils employaient, se caractérise par le fait que ce monde est produit par l'action même des vivants. Alors, il renvoyait également aussi à la fameuse hypothèse Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis. Justement, revenons à la question des vivants. Et Jean-Philippe Ferrière a parlé de télescopage. Ça marche bien avec notre histoire de spatial entre... les humains, enfin cette espèce invasive, grand prédatrice dont on a défini tout à l'heure, qui est la nôtre, et donc cette question de cette planète et de l'espace. Gilles Escarguel. C'est pas le moindre des paradoxes dans cette affaire que Blue Marble nous montre une
planète, elle nous montre une nature dans laquelle, de fait, on ne voit pas le vivant. On le devine avec quelques teintes verdâtres à différents endroits, mais après tout, ce vert-là pourrait être tout autre chose que du vivant. C'est vrai que c'est pas sa caractéristique. C'est ça. C'est là, le marbre bleu, blue marble. Exactement. Parce que c'est le liquide, finalement, qui apparaît le plus... Exactement. On y voit l'eau, qui est de fait une condition nécessaire et indispensable à l'épanouissement de la vie organique. Mais ça n'est pas parce qu'il y a de la vie qu'il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau qu'il y a de la vie. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Et du coup, oui, il y a ce paradoxe que la nature que l'on voit sur cette image n'est pas une nature où spontanément on y voit et on y pense le vivant. Et pourtant, c'est là que le vivant est. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'en connaît nulle part ailleurs. Non pas qu'il n'y en ait pas, il y en a sûrement ailleurs, mais c'est un ailleurs qui nous est totalement inaccessible et qui, de fait, aujourd'hui en tout cas, n'existe pas pour nous concrètement. Après voilà, une surface, une bille sur laquelle des millions d'acteurs différents interagissent dans une pièce de théâtre qui est une improvisation instable, permanente. Moi, j'aime souvent, dans mes cours d'écologie, assimiler un écosystème à une pièce de théâtre où différents acteurs, c'est-à-dire différentes espèces, vont jouer différents rôles, des rôles de producteurs, des rôles de consommateurs primaires, des rôles d'herbivores, d'omnivores, etc. Et où chaque acteur joue un ou plusieurs rôles, parce que parfois c'est le cas dans cette pièce de théâtre, et où chaque rôle est habité par un ou plusieurs acteurs, et avec des acteurs qui peuvent se remplacer, qui peuvent varier, et avec plusieurs pièces de théâtre qui ont lieu à différents endroits sur Terre en même temps, avec des troupes qui sont plus ou moins interconnectées, interreliées, et parfois plutôt plus, parfois plutôt moins. Voilà, cette idée, il y a pour le coup une analogie, je trouve, intéressante entre le monde du théâtre et de ce qui s'y fait et le monde de l'écologie et de ce qui s'y fait. Cela étant dit, ces acteurs sont évidemment en interaction permanente, en ce sens que de très nombreux rôles dans ces pièces de théâtre naturelles, de très nombreux rôles ne peuvent exister que parce que d'autres existent. Et là, il y a un jeu de « je te tiens, tu me tiens »,« j'existe et donc je permets ton existence »,« tu existes et donc tu permets mon existence ». Ce qui rend à la fois cette pièce de théâtre extraordinairement robuste par bien des aspects, et en même temps très fragile, parce qu'évidemment, si jamais certains rôles clés viennent à disparaître, alors c'est en cascade de nombreux rôles qui peuvent à leur tour disparaître. Et on peut pousser l'analogie de ce qui peut se passer dans une pièce de théâtre et de ce qui peut se passer dans un écosystème à ce petit jeu-là assez loin. Du coup, voilà, la biosphère est un ensemble d'acteurs intimement reliés les uns aux autres, y compris et surtout les acteurs que l'on ne voit pas, soit parce qu'ils sont trop loin de nous, soit parce que, et en réalité c'est l'immense majorité d'entre eux, ils sont tellement petits qu'ils échappent à nos sens. Et pourtant, leur disparition est pour nous, directement ou indirectement, source de catastrophes possibles. Ou leur apparition. Ou leur apparition, évidemment. Sauf que, au petit jeu auquel nous jouons depuis quelques décennies ou quelques siècles, le rythme des disparitions est infiniment plus grand, alors infiniment non, en réalité rien n'est infini dans cette histoire, mais considérablement plus grand que le rythme auquel de nouveaux acteurs apparaissent. Et c'est toute la problématique, alors là pour le coup on rentre dans le cœur en tout cas un des cœurs de mes thématiques de recherche préférées, c'est toute la problématique de ces moments de crise au sens étymologique, au sens grec du terme, ces moments de crise de l'histoire de la vie
des moments où, pour des raisons très souvent climatiques, naturelles, non anthropiques, non liées à ce que l'homme fait sur Terre, puisque pour les cinq grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, l'humanité n'était pas là pour y assister. Ces moments-là sont des moments de déséquilibre fondamentaux. Des déséquilibres où, pendant quelques milliers à dizaines de milliers d'années, ce qui représente déjà des temps très longs pour nous, des milliers à dizaines de milliers d'années, la diversité des acteurs présents sur Terre décroît parce que beaucoup plus d'acteurs meurent que ce qu'il n'en est, que ce qu'il n'en apparaît. Ces moments de déséquilibre très profond sont évidemment problématiques parce que, en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années, c'est 50, 60, 80, 90% de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît. Ce qui évidemment laisse de très grands vides, des vides qui sont comblés. Ensuite, le vivant ne s'arrête jamais. Et ce dont nous parlons aujourd'hui quand on parle d'Anthropocène n'est évidemment pas une histoire de la fin de la vie, c'est une histoire de la fin de certaines vies, évidemment, mais pas de la vie dans son ensemble. Mais voilà, lorsque de la vie disparaît sur Terre et en cascade entraîne la disparition d'autres vies, évidemment, ça chamboule fortement les équilibres biologiques et physico-chimiques au sein de la biosphère. Et ça n'est pas la fin, mais le renouveau qui suit derrière ces moments de crise est un renouveau qui met des centaines, voire des milliers de fois plus longtemps à se mettre en place. Hein, si on veut prendre quelques chiffres pour fixer les idées, là où il faut quelques milliers à dizaines de milliers d'années pour faire disparaître 90% de tout ce qui vit sur Terre, il faut à minima quelques millions d'années pour qu'une nouvelle biodiversité se reforme par le jeu naturel de l'évolution des espèces telles que on le comprend depuis plus de 160 ans maintenant et les travaux de Darwin et de Wallace. Voilà, donc un déséquilibre dans des rapports de force entre des dynamiques d'apparition et des dynamiques d'extinction et un déséquilibre dans des rapports de force sur les durées de ces phénomènes. Voilà. Quand on détruit 100 à 1000 fois plus vite que ce que l'on reconstruit, et c'est probablement même pire dans l'Anthropocène, alors évidemment, ça signifie que là où la crise peut être un projet d'humanité, sans porter de jugement de valeur sur ce projet, l'histoire qui s'en suivra, l'histoire d'une reconstruction, ne sera pas un projet d'humanité. Parce que l'humanité n'attendra pas quelques millions d'années que se reforme une biosphère normalement diversifiée. Ça n'est pas un projet pour nous. Voilà. Oui, deux choses. Après, je vous passe la parole, Jean-Philippe Ferrière. Deux choses que vous avez... non pas que je reprécise, mais que je redis un peu lourdement. La vie sur Terre ne va pas s'arrêter parce que la vie a besoin de trois choses, hein, si je me rappelle bien. Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'énergie, donc elle est dépendante du soleil. Hein, et elle a besoin de nutriments. Ça, c'est la base. Et ensuite, la vie se décompose dans des systèmes plus ou moins complexes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous dites aussi, qui est très importante, c'est que cette planète a vécu déjà de nombreuses crises. Cinq crises, vous avez parlé. En réalité, on en dénombre plusieurs dizaines. Oui. Mais cinq majeures, où plus de la moitié de tout ce qui vit sur Terre disparaît en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années. Voilà, mais la grande nouveauté, je veux dire, au-delà de la responsabilité, on va dire, des effets de nos activités sur les changements qu'on voit s'opérer aujourd'hui, et peut-être, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est l'accélération, parce que c'est très important ce que vous dites sur les questions temporelles, c'est que là, il y a un phénomène nouveau, c'est pas des phénomènes qu'il soit, on va dire, du 18e, du 19e ou de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire il y a 70 ans, enfin 80 ans à peu près, c'est tout petit à l'échelle temporelle. Mais par contre, les accélérations temporelles sont absolument phénoménales. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Effectivement, ce qui est en train de se passer n'est pas homogène à ce que nous appelons, en paléontologie, les grandes crises d'extinction. Ce qui s'est passé au cours des deux derniers siècles. Les recensements sont difficiles à calibrer, mais on est
probablement autour de 1, 2, 3, peut-être 5% de toutes les espèces vivantes sur Terre qui ont disparu au cours des deux derniers siècles. Ça, même dans une période de grande crise d'extinction géologique, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. À l'échelle des temps géologiques, quand on est dans une grande crise d'extinction, on est sur des rythmes, des vitesses d'extinction qui sont 10 à 100 fois plus faibles que ceux que l'on vit aujourd'hui. Donc là, effectivement, on est sur une rapidité du phénomène qui est extrêmement inquiétante, en ce sens que on a différentes sources de connaissances, et empiriques, c'est-à-dire en termes d'observation, et théoriques, qui nous montrent très clairement que plus le processus est rapide, et plus il est dangereux pour le vivant, plus il est susceptible de nous amener très très loin dans un effondrement de la biodiversité. Voilà. Donc, ça n'est pas qu'une question de pourcent d'extinction, c'est une question de combinaison entre la quantité de ce que l'on perd et la vitesse à laquelle on le perd. Et là, effectivement, on est un à deux ordres de grandeur au-dessus de ce qui se passe normalement dans une grande crise d'extinction. On est dans une super grande crise d'extinction, même si on n'en est qu'au tout début, en réalité. Et là, il y a quand même peut-être quelque chose pour terminer sur ce sujet, en tout cas pour moi, à dire là-dessus, c'est que si effectivement, et c'est très certainement le cas, nous avons perdu, disons, 1 à 5% des espèces vivantes au cours des deux derniers siècles, nous ne sommes pas encore, de fait, au cœur d'une grande crise d'extinction. L'irréparable n'a pas encore eu lieu. Raison de plus pour s'y intéresser et pour faire tout ce que l'on peut pour éviter que l'irréparable ait lieu. Voilà, ça nous donne une note quand même un peu d'espérance. Jean-Philippe Ferrière, vous vouliez réagir? Oui, comme vous le devinez, j'ai évidemment été très sensible à l'analogie que vous faisiez avec le théâtre. Vous savez peut-être que Bruno Latour y aurait également été très sensible s'il avait pu vous entendre, Frédéric Aitouati, si elle était là, parce que c'est vraiment, enfin, voilà, ce rapprochement entre, comme on dit, le théâtre de la nature et le théâtre des hommes est vraiment au cœur de leur travail. Alors, avant de l'évoquer, plus généralement, je voudrais rappeler effectivement que les arts ont toujours été finalement, alors j'enfonce une porte ouverte, ont toujours été le reflet d'une certaine conception du monde. Alors tout à l'heure, quand on regardait la bille bleue, on disait que finalement, on a l'impression d'y voir une sorte de chose étendue qui ne nous renseigne pas sur le monde des vivants et leur multiplicité. Ça renvoie à la fameuse res extensa de Descartes au XVIIe siècle. Voilà, tout d'un coup, fait de s'extérioriser de la nature, la regarder comme une chose inerte et étendue, eh bien, de cela, finalement, ont témoigné les arts. Alors, la peinture, par exemple, qui va situer la nature comme une sorte de décor, comme arrière-plan des affaires humaines mises au premier plan. Le décor de théâtre aussi, qui va, dans le théâtre du XVIIe siècle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, alors, les acteurs jouent sur le devant de la scène, c'est un peu là où il y a la lumière. Derrière, vous avez tout un système de châssis avec un effet de perspective, une toile peinte, et donc là encore, la nature intervient comme décor, ou alors si elle est convoquée de manière, on va dire, plus explicite, ça n'est que pour finalement raconter les passions humaines indirectement, c'est-à-dire, on va dire, comme miroir de l'âme ou comme symbole. Voilà, donc la nature n'est jamais convoquée pour elle-même, et on ne regarde jamais vraiment les vivants pour ce qu'ils sont. Et donc toute la réflexion qui a été conduite par Latour et Aitouati, ça a été effectivement de essayer de nous faire atterrir, mais en soulignant que ce regard que l'on va remotiver sur le monde qui nous entoure, sur le terrestre, en fait, nous oblige de nous poser des questions qui sont les mêmes que celles du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut interroger, alors vous parliez des acteurs, c'était tout à fait leur réflexion, c'est-à-dire reconsidérer les acteurs de ce monde, voire éventuellement reconsidérer le rôle politique qu'ils peuvent avoir. Bon, vous savez que Michel Serres avait déjà évoqué cela dans le Contrat naturel en 1990. Tout d'un coup, accède à la dignité de, on va dire, de la parole politique, de la représentation politique. Est-ce qu'il est possible de donner à un fleuve, à un bassin versant, des droits juridiques qui lui permettent d'être représenté dans le cadre d'un conflit? Redécouvrir aussi, le fait, alors je reviens sur cette notion de zone critique qui les a beaucoup intéressés. Alors si je peux essayer, moi, pauvre littéraire, de la redéfinir simplement, c'est l'idée que le monde dans lequel nous vivons
n'est pas une sorte de donnée comme ça. Ça ne nous a pas été donné par hasard. Voilà, il y aurait eu tout d'un coup des conditions extraordinaires qu'on ne rencontrerait pas ailleurs dans l'univers. Ça ne serait pas un donné providentiel non plus. Mais en fait, ce monde-là aurait été façonné par les vivants eux-mêmes, donc les bactéries, les végétaux, voilà, les gens qui produisent, enfin, les êtres vivants qui produisent du CO2 ou de l'oxygène. Voilà, qui des déchets organiques et qui sont retravaillés par la microbiologie du sol, etc., etc. Et donc, la zone critique, ça serait cette mince couche. Alors, Bruno Latour parlait d'un biofilm, d'une pellicule. Alors, il montrait le vernis des tables. Il disait, voilà, c'est ce vernis sur les tables, cette mince couche dans laquelle, en fait, tous les êtres vivants se trouvent concentrés. Donc, c'est quelques centaines de mètres en dessous, quelques centaines de mètres au-dessus. Et dès lors que l'on se dit, où sommes-nous ? Où suis-je ? Ça, c'était le titre d'un autre essai qu'il a publié pendant le confinement. Où suis-je ? Est-ce qu'on est sur le globe ? Mais qu'est-ce que ça dit de l'endroit où je suis ? Ou est-ce que je suis dans la zone critique, inside, par conséquent ? Eh bien, effectivement, tout leur travail porte à dire, nous sommes dans ce monde qui est peuplé d'acteurs qui sont en interaction, qui sont entremêlés, qui sont tissés, qui agissent les uns sur les autres, où il y a des cycles biogéochimiques qui agissent les uns sur les autres. Du coup, on repense effectivement les acteurs de cette scène et on repense également la scène, parce que c'est effectivement une question de scénographie, c'est-à-dire que on n'est plus dans le décor inerte, toile de fond, en fond de scène, ou on va dire la toile de fond du tableau, qui raconte aussi finalement ce mouvement d'extériorisation qui a caractérisé l'avènement de la modernité au XVIIe siècle, enfin, dont parle par exemple Descola, auquel je faisais référence tout à l'heure. Mais on se dit, la scénographie est mouvante elle-même. Elle est évolutive, elle bouge avec les acteurs qui la façonnent. Je pense au théâtre antique grec. Je pense à peut-être le plus beau site que je connaisse, qui est celui de Delphes, et où à l'époque, le fond de scène est le paysage. Et donc quelque chose qui est en mouvement. Et c'est comme ça que la situation des théâtres était choisie, c'était en fonction du point de vue. Et les acteurs jouaient dos à la nature, oui, je sais pas et si c'est le terme. C'est à date récente qu'en fait on se ferme du monde, effectivement. Exactement. Et qu'on exclut le monde vivant de la scène pour se concentrer sur on va dire l'histoire des passions humaines. Oui, et il y a un élément supplémentaire, et après je vous donne la parole, Gilles Carguel. Non seulement c'était le fond de scène, la scène était l'espace, la nature, la géographie, le paysage, mais c'était unité de lieu, unité de temps. C'est-à-dire que la pièce était jouée une fois à cet endroit-là. Elle n'était pas, on ne partait pas en tournée. Ah, voilà, ça devenait un événement, en tout cas du monde grec. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner un petit exemple, parce que alors, j'ai amené, l'auditoire voit les livres que j'ai amenés, les auditeurs, je leur présente Trilogie terrestre de Frédéric Aïtouati et Bruno Latour, et puis il y a aussi Terraforma, manuel de cartographie potentielle, donc co-écrit par Frédéric Aïtouati, ainsi que deux architectes, Alexandra Arène et Axel Grégoire. Les deux sont aux éditions B42. Et alors, un exemple parmi d'autres pour essayer de faire saisir aux auditeurs comment ils ont essayé de repenser tout le travail esthétique pour nous aider à comprendre où nous habitons. Alexandra Arène et Axel Grégoire ont travaillé par exemple, la forêt de Belleval dans les Ardennes, et à rebours, on va dire des représentations cartographiques habituelles, c'est-à-dire qu'on a une position en surplomb, au-dessus de vue nulle part, avec donc des coordonnées géométriques qui ne nous disent rien justement de la manière dont les vivants ou les animés, comme elles disent, parcourent ces espaces. Eh bien, elles ont proposer une représentation de la forêt de Belleval comme en fait un terrain de vie avec le tracé de tous les vivants. Alors ça peut être le chasseur, le garde forestier, la chouette, etc., le sanglier, tous les êtres vivants qui parcourent ce terrain de vie. Donc la carte qu'elle propose, c'est une carte qui fait apparaître les trajectoires, on va dire très, très bigarrées, de tous les êtres vivants qui vivent simultanément dans cet espace. Et c'est une autre manière, finalement, de représenter l'espace dans lequel nous sommes. Alors, comme le disait plaisamment Bruno Latour, c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez vous diriger, il vaut peut-être mieux avoir une carte Michelin,
Mais par contre, la carte Michelin ne vous renseigne pas forcément sur le monde dans lequel vous vivez. Si on doit répondre à la question « Où suis-je ?», peut-être que la carte de la forêt de Belval est peut-être plus précieuse. C'est possible. C'est même sûr. Oui, ça renvoie à de jolis sujets d'écologie des paysages et d'écologie du mouvement également, qui sont des choses très, très étudiées aujourd'hui. Cette zone critique, pour revenir là-dessus, en fait, et renvoie à quelque chose qui est très familier aux écologues depuis plus d'un siècle maintenant. C'est cette notion d'écosphère, cette notion de biosphère. Mais elle transcende, elle va plus loin que cette notion de biosphère, parce que de fait, elle inclut en anthropologue, en anthropologie, l'humanité dans cette biosphère. Là où trop souvent l'écologue va avoir tendance, méthodologiquement, à tort et à raison, à sortir l'humanité de cette biosphère et à aller regarder les interactions possibles ou impossibles entre l'humanité et le reste du vivant. La zone critique est vraiment, en ce sens, il me semble, le lieu de la réintégration de l'humanité dans le vivant et de fait dans la nature. Et c'est quelque chose qui, peut-être dit comme ça, peut sembler aller de soi, mais qui ne va pas de soi tant si systématiquement et méthodologiquement l'activité, l'approche scientifique du réel, y compris en écologie, tend à abstractiser la nature indépendamment de l'existence de l'humanité. Ce que dit la zone critique, et en cela je suis très, très heureux du titre du laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui, où on a à la fois des systèmes anthropisés et non anthropisés, naturels, mais finalement rien n'est plus non anthropisé sur Terre aujourd'hui. Descola a très bien montré ça aussi, y compris des objets que l'on tend à imaginer comme étant profondément naturels, je pense à la forêt amazonienne par exemple, n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui si l'humanité n'était pas là depuis 10 à 12 000 ans et ne ferait pas de l'agroforesterie dans cette forêt amazonienne. La forêt amazonienne n'est pas du tout naturelle de ce point de vue-là. Et bien avant de la déforester pour y élever des bœufs ou pour y planter des palmiers. La planète sur laquelle nous vivons, et il n'y en a pas d'autre, n'est plus un monde naturel. Que ça nous plaise ou pas, c'est ainsi. À partir du moment où l'humanité a commencé à croître exponentiellement en usage d'énergie, l'énergie n'étant jamais que notre capacité à transformer l'environnement dans lequel nous vivons, cette croissance exponentielle de notre addiction énergétique fait que nous avons dénaturé la biosphère et nous nous sommes nous-mêmes embarqués dans une aventure qui est susceptible de compliquer considérablement nos conditions d'habitabilité et donc notre avenir. Comment est-ce qu'on peut penser une nature qui n'est plus une nature ? Une nature dans laquelle nous sommes, c'est le monde vivant qui nous a fait naître. Sans ce monde vivant, nous ne serions pas et nous ne serons pas, très clairement. Mais cette nature, pour autant, nous l'avons déjà très profondément modifiée, consciemment, pour partie, inconsciemment, pour une autre. Il ne s'agit pas en aucun cas de se dire « arrêtons de modifier la nature », ça n'aura pas lieu. La question est comment est-ce que nous pouvons habiter ce monde, comment est-ce que nous pouvons habiter cette nature de façon à ne pas empêcher sa propre existence et donc de façon à ne pas empêcher notre propre existence. Et on revient un petit peu finalement à cette forme de mise en abîme qu'il y a dans cette Blue Marble, qui est que nous sommes dedans et en même temps nous sommes dehors. Nous sommes une des conséquences de l'existence de la vie sur Terre.
Nous sommes également la cause d'une modification très profonde de cette vie aujourd'hui. Et comment on va plus loin ? Alors justement, je vais décaler, il nous reste quelques minutes, un tout petit peu le débat vers, mais qui rebondit avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Donc pour affronter, comme vous l'avez dit, l'humanité en fait est à la fois le problème et la solution. Et comme vous me l'avez dit l'autre jour, cette image est l'illustration du problème et de la solution, puisqu'il a fallu un nombre considérable d'énergie pour arriver à prendre ces photos à 30 000 km d'ici. Et donc, voilà. Donc, puisqu'on est le problème et la solution, sur le problème, je crois qu'on est tous d'accord. Tous les deux, là où vous êtes, vous travaillez aussi sur ce qu'on appelle, en tout cas un certain nombre d'entre nous appellent l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes. Vous travaillez en tant qu'enseignant, chercheur, à un enseignement, on va dire, post-disciplinaire ou transdisciplinaire. C'est-à-dire vous réfléchissez à ces questions-là pour pouvoir justement être aussi dans une forme d'énergie par rapport aux différents chemins qui sont à inventer. Et donc je voudrais qu'on parle, on a quelques minutes de ça, de cette question du transdisciplinaire ou post-disciplinaire pour aborder les sujets qu'on doit aborder. Alors, je vais reprendre au vol deux mots que vous venez de prononcer, transdisciplinaire et aussi énergie. Alors, je vais peut-être commencer par le mot énergie qui nous conduira au transdisciplinaire. C'est-à-dire que, voilà, l'INSA Lyon s'est emparée de ces questions, on va dire, de manière très investie, très structurée, depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on a engagé un chantier avant le confinement. Et on a commencé à proposer un certain nombre d'initiatives pédagogiques auprès des étudiants. Il s'est rapidement posé une question, vous parliez d'énergie. Ben, que fait-on en quelque sorte de l'énergie que suscitent ces questions-là ? Voilà, qu'on prend en pleine face, les affects. Comment on réagit à ça émotionnellement ? Comment on va aborder ça avec les élèves ? C'est-à-dire qu'il faut à la fois être précis, il faut documenter la crise, comme on dit. Il faut leur faire comprendre comment on en est arrivé là, mais il s'agit aussi de tracer des perspectives, comment faire, quels sont les futurs possibles, quels sont les leviers d'action. Alors si je parle d'énergie, c'est parce qu'en fait, les enseignants, les artistes, les chercheurs, les élèves ont affaire avec leurs propres affects. Alors on l'a souligné, je sais que Valérie Masson-Delmotte, à un moment donné, avait évoqué le fait que les scientifiques doivent faire avec leurs propres affects, y compris quand ils viennent communiquer auprès du grand public. Donc il a fallu à un moment donné qu'on arrive, on va dire, à dépasser peut-être un certain état. Parfois, ces nouvelles peuvent générer de la sidération, du désespoir, enfin, de l'inquiétude, de l'éco-anxiété, dit-on, à propos de la jeune génération. Comment arriver à dépasser ces affects pour, au contraire, trouver des affects, on va dire, de mobilisation, d'engagement qui nous conduisent à l'action. Et en fait, voilà, notre travail à l'INSA a été vraiment guidé par cette volonté-là. Parce qu'au début, on l'avait peut-être pas assez bien perçu. Et les premières expérimentations nous ont valu un peu un retour boomerang où les élèves nous ont dit, mais enfin, on va jeter dans le canal de Mirabel jeune âge. Enfin, voilà. Et du coup, effectivement, ça nous a aidé peut-être à structurer notre travail et effectivement à travailler vraiment cette approche transdisciplinaire. Donc ça fait 3 ans que, à tous les étages de la maison, c'est-à-dire les 5 années du cursus, dans tous les départements, y compris dans le département, alors on appelle ça le FIMI, formation initiale au métier de l'ingénieur, eh bien on essaye de former les élèves aux problématiques de l'anthropocène, de la crise écologique, des enjeux climat-énergie, en privilégiant une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire que concrètement il y a dans tout l'établissement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collègues qui sont investis dans ce travail-là, pour que effectivement ces problématiques soient abordées par le prisme de la chimie, la thermodynamique, de la physique, des mathématiques, mais aussi effectivement des humanités avec toutes les composantes qui la caractérisent, peut-être la sociologie, l'histoire des techniques, l'anthropologie et les arts également, parce que on est face à un problème systémique et il est important qu'il soit abordé par tous les prismes de ces disciplines-là. Gilles Escarguel. Oui, l'université Lyon 1, on s'est également, tardivement, c'est vrai, mais comme toutes les universités finalement, on s'est également emparé de ces questions-là. Aujourd'hui,
tous nos étudiants de première année de licence ont un enseignement obligatoire sur ces thématiques-là. Notre préoccupation a également été, mais elle l'est en réalité de toutes les équipes pédagogiques qui ont, je pense, de toutes les façons à travailler sur ces sujets-là, a également été comment éviter qu'un constat froid et rationnel, puisque c'est quand même a priori notre métier au moins au départ, ne se transforme en dépression générale pour tous nos étudiants, ce qui est évidemment pas le but de l'opération. À problème complexe, réponse complexe, de toutes les façons. Non pas que ça soit compliqué, la complexité c'est pas forcément compliqué, mais comme vous venez de le dire, face à une situation qui est une situation systémique, les scientifiques à eux seuls ne suffiront jamais. Ils sont indispensables pour poser le constat, pour établir les faits. Ils sont totalement inopérants pour, en tout cas, escalité, pour penser les solutions, parce que la solution à l'anthropocène ne sera jamais une simple somme de solutions technoscientifiques qui, de toutes les façons, pour la plupart d'entre elles, ne feront qu'empirer les problèmes. Penser une solution, des solutions, parce qu'il n'y aura pas qu'une, il y aura des solutions dans l'anthropocène, c'est évidemment penser une question politique, c'est penser une question anthropologique, c'est penser une question sociologique, et ces disciplines-là sont incontournables. Ces axes de pensée-là et ces axes de compréhension du monde-là sont tout aussi indispensables que la physique, la biologie ou la chimie. Cela étant dit, le ressort et l'espérance qu'il peut y avoir là-dedans, elle est dans la trajectoire de chacun et dans la trajectoire collective. Moi, je suis intimement persuadé que nous ne mettrons jamais en œuvre de solutions actives et opérantes tant que nous serons aussi massivement ignorants et inconscients de la réalité de la situation. Donc, parce que nous le sommes. N'en déplaise à nos grands médias qui s'amusent à nous faire croire qu'on nous en parle tous les jours et donc qu'on a compris, en réalité, on ne comprend rien, ou presque. Hein. Quand je dis « on », c'est l'ensemble de la population, et je me mets dedans, on ne comprend rien ou presque à la réalité de la situation. Donc, établir le constat, établir les faits, mettre en lumière les causes et les conséquences des choses, me semble être, encore aujourd'hui malheureusement, un préalable indispensable. Et je le vois, nous le voyons avec nos étudiants en première année, on est très 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 loin du compte. C'est-à-dire que quand bien même on a face à nous des étudiants qui nous disent qu'on leur parle de ces sujets depuis le collège et qui en ont marre d'entendre parler de ces sujets-là, en réalité, ils ne savent quasiment rien de la situation. Rien. Ça offre des marges de progression, en tout cas. Ça, c'est immense. Sûr. Immense. Une micro-phrase, c'est promis. Voilà. Alors, en substance, la crise que nous traversons n'est pas simplement une crise technique, économique et politique, mais c'est aussi une crise culturelle et, pour paraphraser Baptiste Morisot, une crise de notre sensibilité dans notre relation au monde vivant. Et c'est donc pour ça qu'il faut avoir une approche systémique de ce problème. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous arrête. Malheureusement, cette heure était passionnante. Je vous remercie tous les deux, Gilles Iscariel, Jean-Philippe Ferrière. Merci à vous. On continuera ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Les mercredis d'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.